Un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis dans mes folles années bebop. Je me verse dans cet album que vous pourrez découvrir. On est le combien là, le... Il est sorti le 4 mai. Il est sorti le 4 mai. Il soufflera la bougie de son 91e printemps vendredi. Voilà, c'est ça, vendredi. Vendredi matin. Cette semaine, c'était une semaine importante. C'est vendredi. 91 printemps. Là, on peut vraiment dire que ce sont des printemps. Mais sur cet album-là, que de nouvelles chansons ? Que de nouvelles chansons, paroles et musique. Et tenez-vous bien, le prochain album est déjà enregistré. Oh. C'est-à-dire qu'il avait tellement de chansons d'avance qu'il a déjà préparé le prochain album. Parce que Charles Aznavour, c'est de lui dont il s'agit, il a toujours quelques chansons, quelques 40 chansons d'avance, toujours. Mmh. Pour lui et pour les autres. Il écrit tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. C'est sa passion, mais c'est son oxygène. Mais après avoir regardé Télématin ou un petit peu... Alors, je sais que c'est un téléspectateur assidu, ouais. Je pense qu'il nous regarde. Il y a des objets qu'il aime bien, qu'il voit, qu'il découvre chez nous. Alors, où est-ce que vous avez trouvé ça? Surtout sur tout ce qui est high-tech, sur tout ce qui est leur vidéo, appareil photo, il est incollable. Incollable. Vraiment. Alors, Charles Aznavour, 51e album, on peut dire pratiquement 81 ans de carrière, puisqu'il a démarré à l'âge de 9 ans et demi sur scène. On sait combien ça fait de chansons qu'il a écrites. 1200 chansons, il a chanté en 8 langues, il a chanté dans 94 pays. Il n'y a que quelques petits pays de l'Amérique centrale où il ne s'est pas rendu. Il a joué dans 80 films, c'est vraiment l'homme de tous les records. Et moi, ce que j'avais envie de lui demander, c'était où est-ce qu'on trouve encore l'inspiration quand on a écrit tout ça? Et puis après, la conversation à bâton rompu, on lui a demandé de nous raconter quelques petits secrets de chansons dont on... On est en frayant ici. Vous avez déjà fait ça? Bien sûr. Raconter des histoires de chansons, mais, comment elles sont nées. Donc, quand c'est Monsieur Aznavour qui vous les raconte, et puis alors, il n'a rien perdu de son mordant ni de son humour. Vous allez voir. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de mer, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Charles, quand on a écrit 1200 chansons, où va-t-on encore chercher l'inspiration? Ouvrez la fenêtre, il y a tout à voir. C'est un parfum, la chanson, c'est pas seulement une musique. Vous voyez déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Vous voyez déjà. Est-ce vrai que vous avez proposé cette chanson à Yves Montand? Oui, il a refusé, en prétendant, Simone aussi d'ailleurs. Ils ont dit que les chansons sur le métier ne faisaient jamais succès. La preuve? Oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres. Alors, le mouchoir que vous prenez à la fin, sur scène, que vous prenez toujours sur scène, oui. Ce geste vous est venu comment? C'est le symbole de la jeunesse qui s'enfuit. Que l'on jette la plupart du temps, c'est un symbole. Piaf avait ça. Elle avait un geste par chanson, Piaf. Un geste par chanson. Mais si le geste est fort, on l'oublie pas. On est heureux. Et justement, pour comme ils disent, tout est parti d'un geste. Celui qu'avait Andruchka, le régisseur de Charles, pour tenir sa cigarette. Comme ça, exactement. Et ça part de là. Non, c'est comme ça. Et la cendre lui tombait dessus. Oui. J'habite seul avec maman. Dans un très vieil appartement. Et à la première écoute chez Barclay, la réaction fut pour le moins réservée. Il y a eu un silence à la fin de la chanson. Et quelqu'un a dit « Qui va chanter cette chanson ?» Et moi qui aime bien faire de l'effet, j'ai dit « Moi ». Et il y a eu un autre froid. Et un autre a dit « Tu vas faire une annonce ». J'ai dit quelle annonce. Je vais dire, vous savez que j'en suis pas, mais je vais avoir l'air d'un crétin. Et ça s'est terminé là. Je suis un homme, comme il dit. Quel est votre prochain rêve artistique? J'aimerais avoir la voix claire. Je n'ai pas la voix claire. Et j'ai toujours un petit complexe de me dire. Qu'est-ce que va penser le public de ma voix? Et je m'aperçois que ça passe très bien, car je leur dis tout. C'est-à-dire même je suis le seul qui dit que j'ai un prompteur. Ils sont les seuls à savoir que j'entends rien. Je crois que je me suis tellement libéré que ça a été merveilleusement accepté. Emmenez-moi au bout de la terre,
On se sent comment à l'aube de 6 palais des sports? Je change pas de public, hein. Je change de salle. Je change de salle. Du 15 au 27 septembre, 6 palais des sports. Alors, c'est la première fois qu'il a, il a joué dans toutes les salles les plus mythiques du monde. C'est la première fois qu'il s'offre le palais des sports. Mm-hmm. Du 15 au 27, on y sera, bien sûr. Si vous êtes au mois d'août, là, je m'adresse à un certain nombre de téléspectateurs qui nous sont extrêmement fidèles. Si vous êtes en août, début août à Beyrouth, ils passent là-bas. Je vous le dis comme ça parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs libanais qui nous regardent. Et vous aimerez sûrement. Merci beaucoup.